Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'émission Chita des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Mete Info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. Gros chef gang redoutable, village de Dieu, Arnel Joseph, mouri. Journée vendredi à en bas balle la police dans l'Estée département la Tibonite yon jou après gros évasion et spectaculaire qui était faite dans prison civile quoi Debokea. Donc c'est secrétaire d'état communication gouvernement de facto à France Exantus qui confirmait nouvelle là dans une conférence pour la presse. Monsieur Exantus précisé gagne 25 moun qui mouri dans évasion prison, gagne 200 prisonniers qui est sauvé, qui chappé pour lui, et puis tout gagné 60 la police rivée reprend sur un total 1542 prisonniers qui étaient fermés dans la prison civile quoi des bouquets. Vague réaction yo pas suspend tombé sous évasion prison quoi des bouquets à tout la mort chef gang village de Dia Anel Joseph directeur exécutif RNDDH là Pierre Espérance fait qu'on est autorité eux-mêmes qui n'ont pouvoir, ils n'ont pas besoin de faire, ils ont offert qualité et spectacle gratis ça pour être capable de libérer mes chefs gang Arnel Joseph. Pour eh bien directeur disons pour collectif défenseur plus Antonal Mortimé a dirigé à la mort Arnel Joseph là mais la justice dans le pays d'Haïti perdit toute occasion pour être capable de faire lumière sur un paquet gros crimes et mes chefs gang armé eux-mêmes yo fait dans le pays d'Haïti. Jean nous annonce aux les amis internautes, Arnel Joseph, chef gang village de Dia, mouri journée vendredi dans échange coup de zam avec la police dans commune l'Estée dans la Tibonite. Donc c'est secrétaire d'état communication gouvernement de facto à France Exantus qui confirmait nouvelle là dans une conférence pour la presse yon jou après évasion et spectaculaire qui était faite dans prison civile quoi des bouquets à France Exantus qui baille un bilan officiel des évasions et ben prisonniers au fait qu'on est gagné 25 moun qui mouri et gagné et parmi 25 moun qui mouri c'est 7 prisonniers reste c'est citoyens des 7 citoyens gagné 200 prisonniers qui sauvés et qui était prison gagné 60 nan yo et bien la police rivé récupéré. Donc parmi 25 moun qui mouri tout joine inspecteur et directeur prison inspecteur Jacques Paul Hector qui lui-même tout et bien passé dans cadre évasion prisonnier ça dans prison civile quoi des bouquets. Donc gagné te gagné 1542 et prisonniers et bien dans prison quoi des bouquets. Après fin fait contrôle quantité prisonniers qui étaient dans prison sous 1542 prisonniers qui te gagné dans prison quoi des bouquets étaient 1125. Donc la police récupéré tout 2 fusils 12 avec 5 revolvers calibre 38. Donc dans cadre évasion ça tout pour faire lumière sous question ça sous gros événement ça qui passé dans prison civile quoi des bouquets ailleurs. Donc autorité annoncé gouvernement annoncé il former une commission disons 3 commissions qui yo même pral gagner pour yo déterminer degré de responsabilité yo à chaque niveau dans gros événement ça qui passé dans prison civile quoi des bouquets. Nous invitons à écouter France Exantus qui est secrétaire d'état dans le gouvernement de facto. Février 2021, il y a un gros mouvement levé campé dans la prison civile quoi des bouquets. Après diverses rencontres entre plusieurs entités dans le gouvernement tant que le ministère de justice et de sécurité publique au commandement de la police là bureau secrétaire d'état communication à l'autre même bilan gouvernement en mesi présenté population avec la presse coulière. Avant incident AIA, il y a 1542 prisonniers dans la prison quoi de Bouquet. Des comptes qui fait matin vendredi a fait nous constater qu'il y a 1125 prisonniers qui dans cellule. Il y a 25 monde qui mouri là-dedans yo 6 prisonniers avec inspecteur divisionnaire Paul Hector Joseph qui était responsable prison. Parmi les prisonniers qui tombent, il y a Arnel Joseph qui était attaqué, yon patrouille la police
qui était campé moto, qui était sous l'IA. La police riposté et puis Arnel Joseph tombé. Divers services techniques, la police confirmé, c'est Arnel Joseph qui tombé jeudi. Mais c'est d'abord dirigé gang village de Dieu avant de monter Basli, non ça vient la Tibonite. La police qui était toujours mobilisée, rivé reprendre tout 60 prisonniers qui t'a tenté sauver. Il y a plus passé 200 lots, la police avec la justice a cherché tout partout dans le pays. La police rivée récupérer tout 2 fusils 12 avec 5 revolvers calibre 9 mm sans compter divers bonbons de gaz qui étaient gaillés dans la cour prison. N'a précisé parmi les gens qui mourir gagné ces 7 citoyens prisonniers ont été attaqués sous route pendant qu'ils ont sauvé. La justice a continué de travailler dans le moment où on a parlé là pour identifier toutes les victimes. Après l'incident, dans la prison civile Kwa de Boukéa, l'autorité a formé 3 commissions. La première commission, c'est l'inspection générale qui a fait une enquête administrative pour fixer la responsabilité interne. Deuxième commission, c'est la commission direction centrale police judiciaire, DCPJ, pour déterminer qui est-ce qui méritait devant la justice. Troisième commission, son commission direction administration pénitentiaire qui va aller pour enquêter sur cause mouvement ça avec monde qui impliqué là-dedans. Tout le gouvernement avec la police qui mobilisé mandé population rester tête frette, continuer collaborer avec force l'audio pour arriver couper tout bandit qui pensait au cas Simédey dans mi-temps population. N'a pas signalé aux amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, vidéo ça, ou regardé là, gagné 2 vidéos, donc premier à ça gagné 1 mois, Arnel Joseph lui-même, il était sorti répondre question la justice, donc il dit, il était parlé, fait en pile révélation, et l'autre vidéo à lui-même, ça gagné, et depuis c'est dans mi-temps mois juillet, il était fait une vidéo dans prison à côté, ben lui-même, il était annoncé, mais l'a sorti dans prison quand même puisqu'elle était considérée lui-même c'est l'hôpital litéyé donc il était annoncé avec dans vidéo ça et ben avec commandant troupe lio l'a sorti bientôt dans prison puisqu'elle était estimée lui-même c'était l'hôpital litéyé dans prison pas gagne rien qui était capable kembel et comme de fait li sorti et ben un jour après elle sorti 24 heures temps seulement après elle était fin sorti et bien monsieur et même li tombé en bas balle la police nan l'esté d'après ça porte-parole la police là et Gary Desrosiers confirmé avec tout dans une conférence pour la presse secrétaire d'état France Exantus lui-même li confirmé directeur exécutif RNDDH la Pierre Espérance lui-même qui t'a réagi sous évasion et spectacle qui fait dans prison civile Kwa de Boukéa avec la mort chef gang et Arnel Joseph eh ben li fait connait gouvernement lui-même li pas obligé offrir gros et spectacle gratis ça et pour te libérer Aliel chef gang Arnel Joseph. Pour Pierre Espérance, chef gang Arnel Joseph, c'était un colis encombrant pour pouvoir en place là parce que monsieur était con trop dossier et Arnel Joseph était parlé trop l'elle était présenté devant la justice dans tribunal avec un DCPJ donc ça gagnait un mois de ça monsieur était paraître devant cabinet instruction. Pierre Espérance ajouté Arnel Joseph donc il était gagné contrôle toute bagaille depuis dans prison côté LTIA donc il était gagné tout un paquet de gros téléphone hotspot dans mail et puis tout il était con recevoir en pile gros visite dans prison nous invitons côté Pierre Espérance et pouvoir pas besoin offrir spectacle ça côté que il y a monde qui mourit. Il y a des gens qui sont blessés, et les gens qui sont en prison sont terrorisés, et ils continuent à vivre avec un traumatisme, ils n'ont pas besoin d'offrir spectacle ça. Et nous sommes capables de dire, ça nous est assez spectacle, et la vraie mission est faite aujourd'hui. Et pas oublier que
Arnel était dans la prison, il était toujours dit la sortie, et il sortit. Il sortit, on mettait le dehors. Et Gary qui est lié, et c'est ça qui arrive en Bichel Gang, que ils ont éliminé. Parce que il était représenté un danger pour l'autorité, et monde qui est et qui était contre travail pour lui. Et pas oublier que la mort s'est arrivée 3 semaines après. Et on juge que c'est une tendelle. Et il y a une information qui t'a circulé qui dit monsieur t'es parlé. Et non, l'instruction a continué. Et même pas les mêmes valeurs, pas les mêmes importances. Et parce que Arnel, pas n'importe quoi. C'est un gros chef gang puissant. Et nous songeons spectacle, les mettre dans Port-au-Prince, en février 2019, pour dire que les sorties de la ville de Dieu, les montées, zone sacrée, ils descendent ville menée, ils passent dans le Chabal, la police est là, on n'y est pas arrivé. Nous-mêmes, dans la RNDDH, les noms sont à Nel, dans le mois août 2019. Après, il était fait une transfert en prison. Après, il était transfert à l'hôpital. Nous avons dit, monsieur, nous avons intérêt pour collaborer. Et parce que côté l'IA, pas de monde qui va le faire en rien pour lui. Et comme il était garanti qu'il était sorti dans la prison, il se sorti. Il n'a pas jamais parlé encore. Parole, il était dit, c'est parole qu'il a venu dans le rapport. Et que la police judiciaire était fait le 22 novembre 2019 et que le terrain met les bails. Et pas qu'à Port-au-Prince, 4 décembre 2019, c'est mm-hmm. paroles à eux. Et ces paroles qui étaient dans le cabinet d'instruction, pas bien confrontation, pas bien leur révélation, celles-là nous capables de gagner, nous contenter nous avec ça, il dit dans le cabinet d'instruction, avec ça, il dit. Avec ça, les CPJ gagnent dans le rapport qui a fait dans la relation qui gagne avec Gracia Delva et tout l'autre audition qui a été fait le 22 et dans le rapport des CPJ le 22 novembre 2017. Et mission est accomplie et je ne le dis pas. Et ça arrive à Nel là, c'est ça qui a privé tout chef, c'est ça qui a privé tout chef gang qui gagne dans le pays déjà. Et c'est ça qui a prouvé tout ça, je le dis à qui est dans Genève, et allié, et toute l'autre gang qui a théorisé la population. Sous Bopal, collectif Défenseur Plus fait connaître avec l'amour Arnel Joseph, la justice dans le pays d'Haïti, perdit toute occasion, il était gagné pour être capable de faire lumière sur toute une série de dossiers et chef gang armé qui a fait vol, viol, kidnapping, séquestration, enlèvement contre rançon et la trier. Antonal Mortimer déclaré ça qui passait hier. Dans la prison civile, Kwa de Boukéa doit réveiller conscience chaque citoyen haïtien eh bien, dans le pays d'Haïti et sous démission totale l'État donc qui pas prend responsabilité dans rien pendant gang armé eux-mêmes, il a multiplié tout partout dans le pays a, et ils joignent des armes, munitions avec l'argent sans problème. Nous invitons à écouter Antonal Mortimer. Nous comprenons que la justice perdit toute opportunité pour faire lumière jaillir sur un ensemble de crimes et y aurait poché M. Arnel Joseph comme un qui était dans cette coupe armée, gang qui impliqué dans le cas de kidnapping, d'enlèvement, séquestration, contrefaçon, assassinat, vol à viol. Nous regrettons que ces nouvelles assassinats, ces nouvelles lamol nous tendent et nous pas tendent que vraiment nous ramènent devant la justice. Et ça qui passe hier, libérer et éveiller confiance, conscience chaque citoyenne, ou dit bon, nous avons l'État qui n'a pas assumé responsabilité pleinement. Pendant nous avons contexte niveau criminalité à monter, insécurité de qualité, et nous avons attendu des chefs de gang comme ça, ils ont mené au niveau de la justice.
pour yon dit côté jeune dame, pour yon dit côté qui est-ce qui va aux munitions, qui est-ce qui va aux l'argent, pendant que des allégations contre pouvoir ou bien contre le monde qui est en opposition. Quand yon dit c'est le monde qui est en opposition qui proche ou pas, mais quand yon dit c'est le monde qui proche pouvoir, donc nous rater l'occasion à travers un jugement, un procès biblique. Arnel Joseph, pour nous déconner l'information, ça y est. Donc, ça est capable de pérenniser une situation d'impunité et qui est capable de faire nous bien sécurité pour 50 ans encore. Mais il faut nous dire pratique ça dans le gouvernement haïtien, il est là depuis longtemps. Ouais, depuis sous les assassinés Jean Dominique, les assassinés Jean-Pierre Louis, et autant de temps, on dit tant de criminels là soient sauvés, les évadés, les tombés dans les choses avec la police. Et dernier, beau crime qui était fait dans le secteur droit maintenant, c'était sous coupe dans ces villes, Daniel dans ces villes à quel de la rèche. Après un petit temps, il dit que tu mourras. Et sinon, tu me décides fort, qui ont gang dans la zone qu'à vous faire. Donc, nous regrettons ça. Et encore une fois, le gouvernement de la République, là, a gagné au niveau de responsabilité dans la question ça, parce que prison sous compte l'État. Ouais, prison sous compte l'État, on monde qui est aussi important pour la justice. Il n'y a pas de situation pour le évader jusqu'à ce qu'il y ait des mouvements pour le mourir et puis il y a l'autre monde qui est d'ailleurs capable de mettre la population dans la sécurité. 24 ans seulement après, chef gang village de Dia, Arnel Joseph, a fini chaper pour lui dans l'évasion spectaculaire qui était faite avec mitinerie qui était faite dans la prison quoi de Bokeh à la grande journée. Donc, organisation doit mounir eux-mêmes, ils ont commencé à visiter la prison quoi de Bokeh à côté. Situation lui-même, l'hypoco retourné non normali et non centre carcéral si là. Journée vendredi à Fondation J'éclairé FJKL et lui-même qui t'a visité espace là, mais pas de gagner accès pour te rentrer non prison civile quoi de Bokeh. Jean ça te qu'on fait avant pour aller chercher information en dans prison. Cependant, responsable FJKL là, madame Marie-Yolène Gilles dit qu'elle était quand même arrivé parler avec quelques prisonniers qui ont même été dans la prison qui confirmé gagné et moun qui était sauvé dans 5 continents et yo considéré comme 5 gros départements prison lui-même li gagné. Nous invitons écouter Marie-Yolène Gilles. Que je dis à nous arriver pour nous capables de rencontrer avec nous, pour nous rencontrer, pour nous connaître qui s'est passé en la prison civile quoi des bouquets ailleurs. Mais malheureusement, jusqu'à ce moment-là, toute situation beaucoup sous contrôle, c'est pour être sous contrôle, nous n'avons pas été pénétrés et prison. Mais sauf que nous rencontrons avec quelques prisonniers que la police qui veut récupérer, ils vont parler avec nous et expliquer. Qui ça va nous comme information? Tout le monde qui était dans la récréation, ils sont mais nous sommes dans différents continents qui sont Europe, Asie, Afrique, il y a même tout le dispensaire qui est sorti. Mais explication clé par rapport à cette facilité de sortir, comment sauter est fait, nous gagnons d'autres informations que nous allons croiser ensemble et nous bien pour nous partager avec tout le monde. Oui, c'est confirmé, mais comme étant donné nous, la fondation, nous toujours fait des documentations et pour nous passer nos faits. Donc nous bien pour nous partager ensemble avec la presse et toute l'opinion en général, ça conviction nous et former sur eux. Donc l'essentiel c'est que nous pas arriver pénétrer l'espace qu'ils ont côté OEA, mais nous rencontrer avec prisonniers qui ont récupéré. Mais la situation est compliquée et difficile pour eux. Nous avons tout profité de micro nous pour demander à Pina pour voir comment nous capable de faciliter au bain avec manger. Parce que la police a récupéré, la police n'a pas les moyens pour capable de manger, pour occuper aux gens et tapier en dans l'espace prison. Et prison capable et tous différents continents, ils ont fermé. C'est ça que je peux dire que nous-mêmes nous avons constaté. Oui, nous avons confirmé que l'inspecteur Hector, qui est responsable des prisons, et il est mort dans le tir, que le monde qui a été sauvé, ou même il était tiré, et puis il est mort. Donc c'est un gros perte pour dire que l'administration pénitentiaire, parce que l'inspecteur Hector est un appui ancien et qui compte travailler tout. Pour le moment, nous évitons nous pour avancer les chiffres sur la quantité de monde qui est sauvé. Nous évitons tout pour nous dire quand il y a des gens qui mourent. Parce que quand il y a des gens qui mourent dans la prison, nous ne pouvons pas connaître. Ça, c'est des gens qui mourent dans la rue, à Kourou. Et il faut que nous comparions, pour nous croiser l'information
avec l'issue pour nous cap sûr que c'est des monde qui t'a essayé pour quitter espace prison qui veut perdre la vie. L'ancien député am ka ba nous garantie que l'ancien député a lui-même li la mer, il y a tout cap souffre même avec tout l'autre prisonnier qui ferme en dedans un espace côté pas rien monde pas employé civil pour faire manger. Donc vous sentir c'est mettez à mettre puis ouais comment yo carré l'ouvert prison encore. L'autre information, coalition, acteurs, société civile qui bat tête yotinon casse, eh bien, une organisation sociale non société civile là, fait qu'on est, eh bien, li appuyé carré barré, gros marche secteur protestant avec plusieurs l'autre secteur, tant que fédération baroyo yo même avec syndicat transport et la trier. Yo même yo programmé pour journée dimanche 28 février dans tout pays d'Haïti. Donc pour y aller relé en moi contre régime dictatia qui voulait l'ouvrir col dans pays d'Haïti. Responsable Kasla lui-même déclaré peuple haïtien l'été vomi dictatie depuis dans l'année 1986 dans pays d'Haïti, ça fait 35 l'année et les papes tournaient bois dictatia encore. Donc nous invitons côté yon dans responsable Cassio et nous te fait renouveler même action ça dans cadre marche pacifique que secteur droit monde dans te lancé 14 février qui s'est passé là pour renouveler l'amour nous gagner attachement nous gagner à démocratie à ensemble valeur yo et pour nous gommer contre dictature dans pays là. Et c'est dans même perspective ça que CAS jugé nécessaire pour lui lancer un appui public by secteur protestant qui lançait une journée de marche pacifique jusqu'à dimanche 28 février 2021 qui a venu là. Nous disons, nous appuyons marche là publiquement et nous lançons un appel à tout membre Cassio, organisation et secteur qui membre Cassio. Ça qui peut être membre Cassio, tout citoyen, tout citoyenne dans le pays, nous disons, déplacer à manifester en faveur de la démocratie, contre dictature, contre kidnapping, qui tourne yon nan business qui a bien marché, si ce n'est pas business qui a bien marché dans le pays. Donc, nous encourager tout citoyen, nous encourager tout groupe pour appuyer l'initiative ça. Sorti, choisi quand démocratie. Parce que je dis depuis longtemps, il y a deux camps dans le pays, il y a des gens qui veulent établir dictature et des gens qui défendent la démocratie à principe. Il y a un principe, c'est liberté la parole, c'est liberté pour la presse faire travail sans pression, sans et comme ça doit. Donc, dans ce sens, nous encourageons tous les citoyens, tous les citoyennes, tout le monde, quel que soit côté, rejoindre deux points de rassemblement qui se place constitution sous champ de masse ou bien Carrefour résistance dans Carrefour aéroport moun place constitution yo pral rencontrer à moun Carrefour résistance pour nous foncer pour nous mettre yon marée humaine dehors pour moun qui continue à minimiser force nous yo. Moun, nous connaissons qui compte compter, mais qui fait comme si on ne compte compter. Pour yo voir que citoyens et citoyennes haïtiens renouvelent le bayo, choix yo fait pour yo te vomi de dictature, pour yo pare manger dictature encore. Nous vomi dictature, nous pas manger encore. Nous voulons rester dans la démocratie. Nous croyons que la démocratie c'est plus bon système pour diriger une nation. Nous ne croyons pas dans un pouvoir autoritaire. Nous ne croyons que un monde ou bien un groupe monde qui n'a pas de mandat constitutionnel ni légal, d'après 134-2, 134-3, et constitution 87 amendée et 239 et décret électoral de mars 2015, là, moun sa yo
constitution et la loi du mandat yo fini pour moun sa yo yo ériger tête yo en maître seigneur en après Dieu pour faire ça yo vle pour décider gens yo vle c'est yo même qui la justice c'est yo même qui la police c'est yo même qui fait la loi c'est yo même qui exécutif nous dit non nous pas vle système ça nous pas vle régime ça nous vle démocratie c'est peut-être ça nous dit tout citoyen tout citoyenne tout membre casse toute organisation qui pour membre casse tout secteur dans pays a al porter coller dans manifestation dimanche 28 février que secteur protestant lancé journée vendredi a encore plusieurs dizaines étudiants qui étaient sortis dans l'université l'état d'Haïti a été dans la rue Port-au-Prince encore côté t'a manifesté même pour demander libération étudiant Albert Augustma Gentino Jouette Tineg et bien avec des dominicains eux-mêmes bandi exam t'est kidnappé dans Matissan depuis samedi qui passé à un moment était sorti dans un tournage film dans Jacques Mel. L'autre information, on a fait un coup de pied dans pays étranger qui a mené direct dans pays États-Unis. Eh bien, pays États-Unis, dans le cadre redressement, président Joe Biden entreprend dans tout dossier, président Donald Trump lui-même l'été traité et qui pas allé dans le sens démocratie dans pays États-Unis. À l'exception dossier pays d'Haïti à l'hypocomanie, ben président Joe Biden prend distance li jodi a avec prince héritier Arabie Saoudite là qui lui-même c'est un nan pi gwo allié pays États-Unis gagné dans affaire pétrole brut dans zone arabe là. Joe Biden fait déclassifier un document Donald Trump lui-même l'était serré pour être capable de protéger eh bien bon gens rapport te gagné avec Arabie Saoudite sous eh bien assassinat qui était fait sous journaliste Khashoggi donc Washington lui-même li accusé prince héritier disons prince saoudien comme monde qui était bail laissé passer eh bien pour être capable touiller pour être capable et kidnapper journaliste Khashoggi et puis assassiner Joe Biden qui t'est parlé avant et bien avec roi Arabie Saoudite là donc t'es refusé catégoriquement pour te parler avec prince et saoudien donc Jean Joe Biden t'est annoncé le premier discours il t'est fait premier discours international il t'est fait. Donc, États-Unis retourne encore sous scène internationale. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nos campés avec édition information. Ça, c'est des amis frères Mete Info qui t'observent. Nous casser rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.